Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste de la Gauche, et toi? Red Marcel. Red Marcel. Ok, très très joli prénom Red Marcel. Merci. Nos internautes et moi aimerions savoir, tu es pour ou contre la masturbation? Point d'interrogation. Je suis contre la masturbation. Pourquoi contre la masturbation selon toi? Ça simule l'homme pour rien. Pardon? Et ça détruit le corps. Non mais c'est pas possible. Parce que c'est important d'éjaculer pour libérer le cerveau, pour déstresser. Mais si tu n'as pas de partenaire, tu peux te masturber, il n'y a pas de problème. Pas. Tu n'as jamais été tenté de le faire? Non, mais ça, non. Vraiment? Même avant d'être en couple? C'est pas pudique en fait. Continue. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Auguste de Rago, et toi? Merveille pour Cam. Oh là là, très très joli prénom comme elle-même. Tu es pour ou contre la masturbation? Ah ça, non. Contre. Pourquoi contre la masturbation? Parce que c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Dis-toi qui se sent à l'aise en ça, qui évacue avec. Mais comment est-ce que tu vas te masturber peut-être si tu es en couple? Justement, bon, celui qui n'est pas en couple, il fait comment? Là, je sais pas. Tu n'as jamais été tenté de le faire? Non, mais ça, non. Vraiment? Même avant d'être en couple? C'est pas pudique en fait. Pardon? C'est pas pudique. C'est pas pudique. Bon, mais il y a d'autres personnes qui se mettent à l'aise dans ça. Ceux qui n'ont pas de petits amis, qui n'ont pas la chance de connaître la vie de la femme. Ils le font pour un début. À ça, moi, je ne sais rien. Tu n'as jamais eu à le faire? Jamais? Non. Même en pensée, regarde la caméra, elle ne dit pas non, regarde la caméra, même en pensée. Non, mais ça non. Tu n'as jamais fantasmé même. Et même en pensant seulement, même pas en acte, en pensant seulement. Non plus. Ouais. Non, moi je suis contre. Contre la masturbation? Ouais. Pourquoi? Pour moi ça ne donne pas de monde et ça détruit le corps. Mais beaucoup de personnes disent que quand tu te masturbes, tu évacues un peu, tu chasses ce qu'on appelle le stress psychologique. Oui, tu chasses le stress psychologique, oui, mais c'est pas bon pour le corps. Ça te fatigue aussi. Et ça, je veux dire ça comment? Ça diminue ton temps sexuel. C'est ce que moi je pense. Mais quand tu fais les rapports sexuels, quand on fait les rapports, on perd toujours de l'énergie, généralement. Oui. Et c'est un péché même qu'on commet. Il y a des internautes qui ont dit que quand on fait les rapports avant mariage, c'est un grand péché. Mais il y a toujours les gens qui le font. On va toujours continuer à le faire. Ça, c'est une nature. Non, mais si tu as, toi, tu as eu à le faire. Avant le mariage ou bien voilà. Avant le mariage, avant. Ouais. Bon, il veut savoir, est-ce que tu t'es à masturber? Non, ça ne donne pas avec moi. Jamais de la vie. Sérieux. Même à 14 ans. Même à 14 ans, ça ne donne donc, pas avec moi. Quand tu te cachais dans la chambre seule, là, tu ne faisais pas. Je ne faisais pas ça. J'ai jamais essayé. Tu n'as jamais eu les tentations? Non. Même à regarder la télé, un truc peut-être qui t'excite, qui te pousse à le faire. Jamais. Même une fille t'a jamais poussé à le faire. Même si elle essaie, ça va pas donner. Ok, on te fait confiance. Je remercie Aurélien. D'accord. Merci frère. Les Camerounais, convoquez-moi les Camerounais ici. Es-tu pour contre l'abolition de la masturbation? Je sais pas. Ça dépend de tout un chacun. Hein. Ça dépend de tout un chacun. Tout seul, tout pourquoi tu vas encore te masturber? Sauf si dans le cas où tu n'as pas le partenaire, parce que c'est important d'éjaculer pour libérer le cerveau, pour déstresser. Mais si tu n'as pas le partenaire, tu peux te masturber, il n'y a pas de problème. Ah bon, donc masturbation, ça passe. Ça dépend des circonstances, des situations. Mais il y a un qui dit à force de se masturber, tu peux finir par dépendre de la masturbation à force de le faire. Mais il ne faut pas trop le faire donc. Celui qui n'a pas de petit ami doit le faire, mais celui qui a ne doit pas le faire ça. Il ne doit pas. Si sa petite amie hors du pays. Et je te remercie vraiment. Ok. Nawasi Nakosi. Frère, bonsoir. Moi c'est Auguste de Ragoche et toi? Awan Bessou. Awan Bessou, enchanté Awan Bessou. Enchanté. Si tu es pour ou contre la masturbation? La masturbation. Contre la masturbation. Pourquoi tu es pour la masturbation? Parce que déjà dans la Bible on dit que
c'est que tu commets, tu fais les rapports sexuels, tu commets l'adultère avant, tu commets les rapports sexuels avant d'être marié, là tu commets un péché. Mieux tu te masturbes, non, au lieu de commettre un grave péché comme ça. C'est aussi vrai que la masturbation c'est un péché, mais bon. Ah, c'est au moins c'est un péché moins grave que l'adultère. Mais le problème c'est que quand on se masturbe, on finit par dépendre de ça. Même quand on se marie, on finit par dépendre de la masturbation. Mais je crois qu'après le mariage, quand tu as une femme à ta côté, ça va aller. Ça va aller. Tu n'as plus trop dépendre de ça. Tu sais que tu as ta femme à ta côté. Pourquoi se masturber alors que tu as une femme à ta côté? Non, je ne trouve pas que c'est normal. Donc, okay, donc si tu as un message à faire passer aux internautes par rapport à ce genre de pratique, que leur dirais-tu? Je leur dirais que ah, la masturbation, d'une part, c'est aussi bien, mais bon. Comment on dit, mais c'est pas, c'est un péché. Je préfère ça que la fornication, merci. Je préfère ça que la fornication. C'est mieux en fait. Et je te remercie. Ok, Arwan Bessou. Ok, Arwan Bessou. Moi, c'est Auguste, de la gauche, et toi. Moi, c'est Auguste. Et Valdez. Ok, enchanté Valdez. Le nom est espagnol. Ok, déjà, c'est un taco, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Nous, internautes et moi, aimerions savoir si tu es pour ou contre la masturbation. Je suis contre la masturbation. Pourquoi contre la masturbation, selon toi? Ça stimule l'homme pour rien. Ça stimule l'homme pour rien. Mais ceux qui n'ont pas de petits amis, s'en sortent avec, ils se font plaisir avec ça. Non, non, non. Il y a même lu dans les documentaires de médecine que c'est pas conseillé. Moi, je sens que les rapports avant, on dit les rapports avant le mariage, c'est un péché. Oui, oui, d'après la Bible, oui. Donc celui qui n'a pas encore fait les rapports avant le mariage et qui veut se mettre à l'aise, il fait comment? Parce qu'il y a la libido. Non, 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 c'est pas un bon truc. Pas un bon truc. Tu n'as jamais eu à le faire? Non, jamais. Même en pensée, m'envoyer une fille qui était bien à l'école, qui t'a plu à l'école là. Jamais, jamais. Donc, même quand tu te fais la bise qui te plaît, tu n'as jamais pensé à ça? Jamais, jamais. Regarde la caméra, elle n'est pas honte de dire. Jamais, jamais. Ok. Ouais, jamais pensé à ça. Jamais. Ok, bon, si tu as un message à faire passer aux internautes, que le dirais-tu par rapport à ce phénomène? Non, que c'est pas une bonne chose. Pas une bonne chose. Parce que le péché, les rapports et la masturbation, c'est toujours des péchés, non? Oui, oui. Donc, même la Bible le dit. C'est un péché. Donc, selon toi, il est interdit de faire ça. Oui. Je te remercie, Valdez. Ok, merci. La voix des sans-voix, l'éclaireur de conscience africaine.